Les Tunisiens ont célébré l'anniversaire du prophète Mohammed dimanche 15 septembre avec une vibrante parade musicale Stambali à travers les ruelles sinueuses de la vieille ville de Tunis. L'événement, organisé par l'Association de la culture Stambali, a rassemblé les gens pour regarder et participer au cortège, qui visait à la fois à honorer l'occasion religieuse et à sensibiliser sur l'art du Stambali, une tradition musicale tunisienne aux racines africaines. Les rues étroites de la Médina se sont animées des rythmes entraînant des groupes Stambali, leur musique résonnant sur les murs anciens tandis que les danseurs bougeaient sur des rythmes irrésistibles. Le prophète Mohammed est né à la Mecque, en Arabie Saoudite, en 570 après J.C. Les musulmans du monde entier célèbrent le Maolid, ou sa naissance, chaque année le 12e jour de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier islamique. Le jour est férié dans plusieurs pays à majorité musulmane, notamment dans de nombreuses régions du Moyen-Orient, au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie et au Bangladesh.